Salut les amis, dans cette vidéo, je vous montre comment obtenir cette formation qui vaut normalement 1 000 $ gratuitement. Beaucoup d'entre vous me demandent si j'ai une formation sur YouTube. Mais maintenant, je n'ai aucune formation, mais je vous recommande celle-ci et je vais vous montrer dans cette vidéo comment l'obtenir gratuitement sans débourser le moindre sou. Je n'ai pas choisi ce formateur par hasard. Ali Abdal est un YouTuber très populaire. Il a plus de 2 700 000 abonnés sur son compte. C'est un docteur en médecine qui a quitté son travail de médecin pour se consacrer à 100% sur sa chaîne YouTube. En 2021 seulement, cette chaîne que vous voyez lui a rapporté plus de 4 millions de dollars. Donc, c'est quelqu'un qui maîtrise très bien son élément. Cette formation, je suis en train de la suivre en ce moment moi-même et comme vous le voyez, je ne suis qu'au 5e chapitre, mais je vous assure que j'ai beaucoup appris. Le chapitre 3, consacré au mindset, répond de la plus belle de manière à la question de savoir pourquoi démarrer une chaîne YouTube en 2022. Seulement, ce chapitre-là vaut la peine de suivre ce cours parce que moi qui suis déjà sur YouTube, j'avais pas un certain point de vue de ce dans quoi je me suis lancé, mais après avoir suivi cette partie, je me suis dit qu'il faut vraiment la partager cette formation avec mes abonnés. En gros, c'est une formation pleine d'informations qui pendant 4 heures de temps vous permettra de comprendre les étapes qui précèdent la publication d'une vidéo sur YouTube. Il vous explique dans les différents chapitres comment créer votre compte, comment créer les visuels de ce compte YouTube, comment réfléchir et trouver des idées, comment écrire les scripts, comment vous filmer avec votre téléphone ou bien votre caméra, comment éclairer votre bureau, comment capter le son, bref, toutes les étapes qui conduisent à la publication d'une vidéo sur YouTube et à sa monétisation, il vous explique très bien dans cette vidéo. Si vous n'êtes pas particulièrement à l'aise avec la langue anglaise, ne vous en faites pas, la plateforme vous permet de sous-titrer les vidéos dans toutes les langues. En français, vous pouvez le faire et suivre cette formation sans avoir beaucoup de problèmes. Maintenant, comment obtenir cette formation gratuitement? Je vous ai laissé un lien en description de cette vidéo. C'est le premier lien. Cliquez dessus et vous allez atterrir ici. Il suffit de cliquer sur Sign up. Vous créez votre compte pour obtenir cette formation. Arrivé à ce niveau, vous allez remplir vos informations pour créer le compte. La plateforme Skillshare vous donne un mois gratuit avec ce lien. On ne vous coupe absolument rien. Et le lien est un lien affilié, je dois être honnête avec vous. Si vous passez par ce lien, vous obtenez un mois gratuit. On ne vous facture rien et moi, j'obtiens une petite commission qui va me permettre de continuer à vous faire des vidéos comme celle-là. Alors, inscrivons-nous, on va écrire notre nom, on crée un mot de passe et puis on clique sur continuer. Généralement, c'est à ce niveau que les gens se retrouvent bloqués. Certains n'ont pas de carte prépayée, d'autres n'ont pas de compte PayPal. Est-ce qu'ils cherchent le demande pour vérifier votre compte? Parce que après les 30 jours d'essai, si vous êtes encore là sur la plateforme, il va falloir payer. Comme d'habitude, j'ai des solutions pour vous. J'en ai même deux pour vous permettre d'obtenir des cartes prépayées pour vérifier votre compte et tout simplement suivre votre formation. Après, libre à vous d'annuler l'abonnement avant son expiration ou bien de le garder. Tout dépendra de vous. La première solution, c'est d'utiliser les cartes Visa que la plateforme G2.com vous offre, même s'il n'y a plus rien dans la carte. Pour ceux qui n'ont pas
vu la stratégie sur g2.com. Je vous mets aussi le lien de la vidéo qui vous détaille toutes les procédures et qui vous montre comment gagner 10 $ encore et encore en laissant des avis sur les applications et les logiciels. Donc, cette solution, vous venez seulement au niveau de vos récompenses. Vous voyez une récompense qu'on vous a déjà remboursée. Vous cliquez sur « Check out your reward ». Vous copiez ce code et puis vous cliquez sur les instructions. Là, vous cliquez ici pour suivre les instructions pour vous permettre de dévoiler le numéro de votre carte. Une fois vous affichez les informations de votre carte, vous voyez qu'elle expire même dans 3 mois et il n'y a plus rien sur le compte. C'est cette carte-là que je vais utiliser pour vérifier mon compte Skillshare. Je copie donc le numéro de la carte. Je viens coller ici. Je ne sais pas si Skillshare accepte que plusieurs comptes soient vérifiés avec la même carte, mais si vous voulez essayer, copiez ces informations, vous essayez de vérifier votre compte. Si ça marche, tant mieux. On prend ce petit code-là et on retient la date d'expiration, c'est 6e mois 2022. Donc 0622 et puis on colle le numéro de vérification. Le pays changé, vous mettez États-Unis. Vous choisissez États-Unis parce que j'ai utilisé mon adresse des États-Unis pour créer cette carte. Vous mettez comme zip code 94105. Si tout est bon, vous cliquez sur Start your free month. Vous patientez et voilà, vous avez accès à la formation. N'oubliez pas, dans 30 jours, si vous utilisez votre propre carte, n'oubliez pas d'annuler l'abonnement au bout de 30 jours, sinon vous serez facturé. La deuxième solution pour avoir une carte prépayée, je vous recommande KeyCash. C'est un moyen de paiement fiable qui vous permet de payer en ligne depuis l'Afrique et vous pouvez charger votre carte directement avec vos comptes Mobile Money. C'est disponible dans plusieurs pays. Vous pouvez utiliser ces cartes sur tous ces sites web et bien au-delà, PayPal, AliExpress, Netflix, Google Pay, eBay. Donc pour activer votre carte, vous devez débourser 6500 francs. Mais je vous ai laissé un lien en bas qui vous donne une réduction de 1000 francs. Au lieu de 6500, vous allez payer 5500 pour activer votre carte et elle sera valable pendant 2 ans. Voilà les amis, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Dites-moi si vous aimez ce type de vidéo dans lequel je vous recommande des services. Des formations, si ça peut vous aider, dites-moi, je vais le faire de temps en temps. Sur ce, je vous dis merci. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de la partager. Et à la prochaine vidéo. Bye bye.